Bonjour à toi à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo bilan sur l'année écoulée. Donc je vais déjà commencer par vous souhaiter une excellente année 2021. Et on va un peu oublier 2020, même si je fais cette vidéo bilan. Voilà, c'est le premier jour de l'année de 2021. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo un petit peu positive, dans le sens où sur ce bilan, je vais parler un petit peu de ce qui s'est passé sur ma chaîne et puis un petit peu de ma vie privée, parce que malgré tous ces soucis de confinement, déconfinement et autres choses diverses et variées, il y a eu des choses qui me sont arrivées, voilà, pendant cette année-là. Donc je vais faire ce petit bilan et on va commencer justement le bilan de la chaîne. Donc la chaîne, elle n'a pas beaucoup vécu, enfin j'ai pas mis beaucoup de vidéos. J'ai fait que 8 vidéos sur l'année 2020, donc forcément pas beaucoup de vide-grenier. Je crois que dans les 8 vidéos, il y a justement 2 ou 3 vidéos de vide-grenier. Il y a 2 vidéos soldes, donc les soldes d'hiver et d'été. Il y a eu quoi d'autre? 2 vidéos un peu différentes, genre souvenirs de joueurs ou de jeux. Un unboxing de la Game & Watch qui est sorti récemment. Et puis la vidéo qui a le mieux marché pour l'année 2020, c'est la Game Room Tour que j'ai eu le temps de faire. Voilà, comme quoi il y a quand même des choses positives par rapport au premier confinement. J'ai eu le temps de finir la pièce et puis de la filmer, et de la présenter. Donc voilà, 8 vidéos. Je crois que l'année dernière, j'avais fait en 2019, j'avais fait 18 vidéos. Le total de vues pour l'année 2020, c'est à peu près 60 000 vues. Donc pour moi, ça me paraît correct pour juste 8 vidéos. Sachant que j'avais fait pas loin de 100 000 vues pour 18 en 2019. 18 vidéos pour 2019. Et j'ai à peu près gagné, enfin, j'aime pas ce terme-là, mais il y a eu 253 abonnés sur ma chaîne. Moi, je vous remercie de vous être abonné, voilà, malgré le peu de vidéos proposées sur cette chaîne. J'espère faire un peu mieux en 2021. Donc je commence déjà, pardon, avec cette première vidéo bilan, voilà, quelque chose que j'avais jamais fait. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre concernant la chaîne? Pas grand-chose, voilà, les vide-greniers ont été annulés, donc j'ai pas pu préparer quoi que ce soit. Donc j'espère faire un peu plus de vidéos pour cette année 2021. Je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas d'idée, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'il y a eu en 2020, côté un petit peu, ouais, qui est un peu lié à ma vie perso, puis lié aussi à la chaîne. Mi-janvier, donc de 2020, pardon, j'ai eu un message sur Messenger qui m'a beaucoup surpris. C'est Ryu Gaming, voilà, qui m'a proposé d'être invité dans le stand YouTube au Pixel Days, qui était prévu, je crois, fin mars, début avril, donc qui a été reporté après en septembre, mais qui a été complètement annulé. Donc c'est quelque chose de positif parce que je m'y attendais pas du tout. Donc l'année commençait déjà plutôt bien pour moi. J'étais hyper content. Je sais même plus comment je l'ai remercié. Enfin bref, j'étais super content. Donc c'était annulé. Je pense que c'est pour mieux rebondir. J'espère pour 2021, pour 2022, mais j'espère au moins pour 2021. Donc je remercie encore Ryu Gaming, merci de m'avoir invité. J'espère que l'invitation tient toujours, hein, ça se trouve, je ne le serai plus. Enfin, bref, voilà, ça m'a fait énormément plaisir. L'année commençait bien pour moi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Le premier confinement, il y a eu quand même des choses positives pour moi sur ce premier confinement. J'ai pu filmer ma game room. J'ai pu finir aussi des jeux. Voilà, j'ai fini pas mal de jeux sur Switch, sur PS4. Voilà, j'avais des jeux que j'avais commencé, d'autres que j'avais pas eu le temps du tout de commencer. Donc ça m'a permis d'en finir certains et de commencer de A à Z pendant cette année 2020. Donc j'ai fini quelques jeux. Donc ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu mes 40 ans, début septembre, que j'ai pu fêter avec les amis, la famille. Donc on a complètement respecté les gestes barrières. En plus, on était encore en été, donc on a pu faire ça dehors, même si on faisait très attention à pas être trop collés les uns aux autres, de se laver souvent les mains. Bon bref, les gestes barrières, vous les connaissez. Donc du coup, j'ai pu les fêter, tous les copains. Donc c'était plutôt cool. J'ai été extrêmement, extrêmement gâté. Ils ont grave abusé. J'étais même limite gêné, ouais, je m'attendais pas à autant de choses, aussi bien en quantité qu'en qualité. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc je vous remercie encore, hein, les amis, c'était super cool. La famille pareil, voilà, ils m'ont extrêmement gâté, donc j'étais super super content. Puis au moins se voir, voilà, ça faisait des mois et des mois qu'on se voyait pas. Donc on a pu tous se voir, c'était super cool. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire en plus, de plus, pardon, sur cette année.
beaucoup d'ascenseurs émotionnels, voilà, des hauts, des bas. 2020, voilà, ça, c'est une année assez compliquée, aussi bien pour la chaîne que pour le perso, mais il y a eu quand même des points positifs, donc j'en garde quand même un bon souvenir de cette année malgré tout. Donc voilà, petite vidéo finie, bah comme d'habitude, hein, les commentaires, l'abonnement, ça fera toujours plaisir. Autant bien commencer l'année avec quelques abonnements en plus et des abonnés en plus. Donc je vous remercie encore de me suivre. Ça fait malheureux, voilà, ma chaîne n'a pas beaucoup vécu cette année-là, donc j'espère la faire vivre, pardon, un peu plus cette année 2021, sur cette année 2021. Voilà, j'en bafouille un petit peu, voilà, je filme en one shot là comme ça, sans avoir trop préparé à part 2-3 chiffres que j'avais en tête. Et bien surtout, faites très attention. Et je vous souhaite encore une excellente année 2020.